Thank you for listening to Depictions Media Radio. Community COVID-19 vaccine in children 5 to 11 years of age. This is the first vaccine authorized in Canada to prevent COVID-19 in younger children and is another key step in Canada's fight against COVID-19. I'll start by walking you through Health Canada's stringent review process and the data we reviewed. I'll finish with some important information on COVID-19 in children. Health Canada received a submission from Pfizer-BioNTech to authorize the use of its COVID-19 vaccine in children 5 to 11 years of age on October 18. Our assessment included a review of new clinical trial data that built on earlier lab data, data from clinical trials in adults and adolescents, and real-world data on the use of hundreds of millions of doses worldwide. The trials followed approximately 4,600 children 5 to 11 years of age. 3,100 received the vaccine, and 1,500 received a placebo. The study used a two-dose vaccine regimen given 3 weeks apart, but with a slightly different formulation than the one authorized for adults. The dose of mRNA is also smaller at 10 micrograms rather than 30 micrograms. To determine whether the vaccine is effective, we looked at the immune response in children 5 to 11 compared to the response in adolescents and young adults 16 to 25 years of age. The immune responses were comparable. Safety data was evaluated for 1,518 vaccine and 750 placebo participants, of whom the vast majority, or over 95%, had a safety follow-up of at least 3 months after the second dose. The trial also evaluated safety data from an additional 1,591 vaccine and 788 placebo participants with a median follow-up of 2.5 weeks after the second dose. The main adverse events reported were similar to those in adolescents and young adults, but were less frequent, except for redness and swelling at the injection site, which were slightly higher. Other adverse events reported included fatigue and headache. Most reactions were mild to moderate in severity and resolved quickly on their own. Among the 3,100 vaccine recipients, there were 4 reports of serious adverse events that were ultimately determined to be unrelated to vaccination. There were no reports of myocarditis, pericarditis, or severe allergic reactions. After a thorough and independent scientific review of the evidence, the department has determined that the benefits of the vaccine outweigh the potential risks in this younger age group. As with all authorized COVID-19 vaccines, Health Canada has issued terms and conditions on the manufacturer requiring it to closely monitor any emerging safety issues, including any cases of myocarditis or pericarditis. Health Canada and the Public Health Agency of Canada will continue to work with the provinces and territories, the manufacturer, and regulators around the world to monitor the safety of the vaccine. We know this collaboration has been able to quickly identify even very rare and unexpected side effects. To date, no new safety issues have emerged from the use of community in children 5 to 11 years of age in the United States, where over 2.5 million children have received their first dose. This authorization comes at a critical time in the pandemic. Over the course of the third and the fourth waves, incident rates have been increasing among children less than 12 years of age, who until now have not been eligible for vaccination. While children are less likely to experience complications, they can still get very sick. Although the risk of severe illness is lower in children than in adults, it's still there. And rarely, some children go on to develop multi-inflammatory syndrome in children, known as MIS-C, which has a very high risk of requiring hospitalization. Emerging data also suggests that children with COVID-19, regardless of the severity, can develop long COVID or post-COVID symptoms that may continue for months. And children, like adults, can spread the virus. Now that the vaccine is authorized, I'm sure everyone is anxious to hear how it will be used. Dr. Tam and Dr. New will be providing an update shortly. In conclusion, I'd like to reflect on what this authorization means for people in Canada. Overall, this is very good news for adults and children alike. It provides another tool to protect Canadians and, to the relief of many parents, will help bring back a degree of normality to children's lives, allowing them to more safely do the things that they have missed during the last 20 months. Thank you. Merci. Miigwech.
Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autorisation de Santé Canada concernant le vaccin contre la COVID-19, Comirnaty, de Pfizer-BioNTech pour les enfants de 5 à 11 ans. Il s'agit du premier vaccin autorisé au Canada pour prévenir la COVID-19 chez les jeunes enfants et il s'agit d'une autre étape clé dans la lutte du Canada contre la COVID-19. Je vais commencer par vous présenter le processus d'examen rigoureux de Santé Canada et les données que nous avons examinées. Je terminerai par quelques renseignements importants sur la COVID-19 chez les enfants. Le 18 octobre, Santé Canada a reçu une demande d'autorisation de Pfizer-BioNTech pour l'utilisation de son vaccin contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans. Notre évaluation a impliqué un examen des données, de nouveaux essais cliniques qui complétaient les données d'études antérieures, des données d'essais cliniques sur des adultes et des adolescents, ainsi que des données d'utilisation réelle de centaines de millions de doses dans le monde entier. Les essais ont suivi environ 4600 enfants de 5 à 11 ans, dont 3100 ont reçu le vaccin et 1500 ont reçu un placebo. Dans le cadre des études, on a eu recours à un schéma vaccinal de 2 doses administrées à 3 semaines d'intervalle, avec une formulation légèrement différente de celle autorisée pour les adultes. La dose était également plus petite, soit 10 microgrammes au lieu de 30 microgrammes. Pour déterminer si le vaccin était efficace, nous avons examiné la réponse immunitaire des enfants de 5 à 11 ans par rapport à celle des adolescents et des jeunes adultes de 16 à 25 ans. Les réponses immunitaires étaient comparables. Les données sur l'innocuité ont été évaluées pour 1518 participants ayant reçu le vaccin et 750 participants ayant reçu de placebo, et une grande majorité d'entre eux, soit 95,1%, ont fait l'objet d'un suivi d'innocuité d'au moins 3 mois après la deuxième dose. Dans le cadre de l'essai, on a également évalué des données additionnelles sur l'innocuité de 1591 participants ayant reçu le vaccin et 788 participants ayant reçu le placebo, avec un suivi médian de 2,4 semaines après la deuxième dose. Les principaux effets indésirables signalés étaient semblables à ceux observés chez les adolescents et les jeunes adultes, mais étaient moins fréquents, à l'exception de la rougeur et du gonflement au point d'injection, qui étaient légèrement plus fréquents. Les autres effets indésirables signalés comprenaient de la fatigue et des maux de tête. La plupart des réactions étaient d'intensité légère à modérée et se sont rapidement résolues d'elles-mêmes. Parmi les 3100 participants vaccinés, 4 événements indésirables graves ont été signalés, mais il a été établi qu'ils n'étaient pas liés à la vaccination. Aucun cas de myocardite, de péricardite ou de réaction allergique grave n'a été signalé. Après un examen scientifique rigoureux et indépendant des données probantes, le ministère a déterminé que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques chez le groupe d'âge des 5 à 11 ans. Comme pour tous les vaccins contre la COVID-19 autorisés, Santé Canada a imposé aux fabricants des conditions exigeant qu'ils surveillent étroitement tout nouveau problème d'innocuité, dont des cas de myocardite et de péricardite. Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada continueront de collaborer avec les provinces et territoires, le fabricant et les organismes de réglementation du monde entier afin de surveiller l'innocuité du vaccin. Nous savons que cette collaboration a permis de cerner rapidement même les effets secondaires très rares et inattendus. À ce jour, aucun nouveau problème d'innocuité n'est survenu à la suite de l'utilisation du vaccin Comirnaty chez les enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis, où plus de 2,5 millions d'enfants ont reçu leur première dose. Cette autorisation arrive à un moment crucial de la pandémie. Pendant les troisième et quatrième vagues, les taux d'incidence n'ont cessé d'augmenter chez les enfants de moins de 12 ans, qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas être vaccinés. Les enfants sont moins susceptibles de souffrir de complications, mais ils peuvent quand même être très malades. Malgré que le risque de maladie grave est plus faible chez les enfants que les adultes, il demeure toujours présent. Dans de rares cas, certains enfants peuvent présenter un syndrome inflammatoire multisystémique ou MISC qui risque fortement de nécessiter une hospitalisation. Par ailleurs, de nouvelles données semblent indiquer que les enfants atteints de la COVID-19, peu importe la gravité de leur maladie, peuvent développer ce qu'on appelle la COVID longue. Et bien sûr, les enfants, au même titre que les adultes, peuvent propager le virus. Maintenant que le vaccin est autorisé, je suis convaincu que tout le monde est impatient de savoir comment il sera utilisé. La Dr Tam et le Dr Nu feront le point à ce sujet sous peu. Pour terminer, j'aimerais m'attarder un peu sur ce que cette autorisation signifie pour la population canadienne. Dans l'ensemble, c'est une très bonne nouvelle.
autant pour les adultes que pour les enfants. Il s'agit d'un outil supplémentaire dans notre arsenal pour protéger les Canadiennes et les Canadiens et, au grand soulagement de nombreux parents, cette autorisation contribuera à ce que la vie des enfants retrouve un certain niveau de normalité, car ils pourront faire de façon plus sécuritaire les choses qui leur ont manqué au cours des 20 derniers mois. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nationally, the daily case counts appear to be declining slowly, but with significant regional variation in disease activity and high infection rates persisting in many areas of the country. Over the most recent seven-day period, an average of almost 2,400 new cases were reported daily across Canada. Severe illness trends are also slowly declining, but some areas are still struggling at or above critical care capacity limits. As noted, unless we can keep infection rates down, severe illness trends could begin to rise again. Over the past week, on average, over 1,680 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including 487 in intensive care, and 25 deaths were reported daily. As the pandemic has progressed, we've learned, honed, and strengthened ways to manage as well as make headway against the formidable challenges of this virus. Canada's COVID-19 vaccines continue to provide excellent protection against severe illness. And although there's some evidence of decreased protection against infection over time, we are continuing to make important advancements in vaccine programs to preserve and extend the protection and help reduce spread as well. Over the past several months, regulatory approvals from Health Canada and recommendations from the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, have allowed provinces and territories to adjust targeted vaccination programs to ensure that key populations can achieve and maintain protection against COVID-19. Approval of a pediatric COVID-19 vaccine has been long anticipated. Today, the new lower-dose pediatric formulation of the Comirnaty COVID-19 vaccine by Pfizer-BioNTech is being authorized by Health Canada as Canada's first COVID-19 vaccine for use in children aged 5 to 11 years. And NACI is recommending that a complete two-dose series may be offered to children in this age group who do not have contraindications to the vaccine. As well, based on emerging evidence from adult immunization, which suggests longer intervals result in a stronger, longer-lasting immune response and may lower the risk of myocarditis and pericarditis, NACI is also recommending a dosing interval of 8 weeks or more between the first and second dose. As our Health Canada colleagues have indicated, the new lower-dose pediatric formulation is 10 micrograms compared to the 30 microgram dose for adults and adolescents aged 12 years and older. Data shows that the 10 microgram dose works very well at preventing symptomatic COVID-19 in children aged 5 to 11 years, with an estimated efficacy of 90.7%. This is very similar to the level of protection achieved with a 30 microgram dose in adolescents and adults. Given the current and prevailing epidemiology of COVID-19 in Canada, where incidence rates have remained highest in children aged 5 to 11 years for most of the fourth wave, today's announcements on the availability and use of the pediatric formulation provides a welcome additional prevention option. Following excellent uptake of the 30 microgram dose among older children aged 12 to 17 years, there has been a notable reduction in infection rates and outbreak-associated cases in that age group. As such, it is hoped that the new pediatric programs will have similar success in younger children and contribute to increased population coverage overall. At this time, NACI recommends that young children receive the 10 microgram Comirnaty vaccine at least 14 days before or after receiving another vaccine. This precaution is being made to help determine if a side effect that may arise following immunization is due to the COVID-19 vaccine versus another vaccine. However, there may be circumstances where it is necessary for a dose of the pediatric COVID-19 vaccine to be given at the same time as another vaccine,
in which case a healthcare provider can help with decision making. To date, no serious safety concerns have been identified in the clinical trials. Going forwards, we will be closely monitoring domestic rollout of the pediatric program in Canada and continuing to review accumulating evidence from international programs and studies. During this time, it is very important that we support children and their caregivers in making informed decisions about COVID-19 vaccination while respecting their choices and pace of decision making. It is perhaps very fitting that tomorrow is National Child Day and World Children's Day, dedicated to celebrate child and youth rights. This year is an opportunity to say a special thank you to children and youth for the sacrifices they've made during the pandemic and to recognize their resilience. UNICEF Canada is encouraging Canadians to go blue to say thank you. Join in as we show our kids how important they are in shaping their now and the future. From people to places, we can all shine blue for them, including monuments in Canada like Niagara Falls and towers in Toronto and Calgary and more all around the world. So thank you. Merci. Megwich. Bonjour à toutes et à tous. Sur le plan national, le nombre de cas quotidiens semble diminuer lentement, mais avec une variation régionale importante dans l'activité de la maladie et les taux d'infection élevés qui persistent dans plusieurs régions du pays. Au cours des 7 derniers jours, une moyenne près de 2 400 nouveaux cas ont été signalés au Canada. Les tendances relatives au nombre de cas graves sont toujours en baisse et certaines régions éprouvent toujours des difficultés avec les limites de capacité en matière de soins intensifs, voire au-delà. Comme indiqué, si nous ne parvenons pas à réduire les taux d'infection, les tendances des maladies graves pourraient recommencer à augmenter. En moyenne, plus de 1680 personnes atteintes de la COVID-19 étaient traitées dans nos hôpitaux chaque jour, dont 487 dans les unités de soins intensifs, et 25 décès ont été signalés quotidiennement au cours des 7 derniers jours. Au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, nous avons appris, affiné et renforcé les moyens de gérer et de progresser face aux grands défis posés par ce virus. Les vaccins contre la COVID-19 au Canada continuent d'offrir une excellente protection contre la maladie grave et, bien qu'il existe des preuves d'une diminution de la protection contre l'infection au fil du temps, nous continuons à faire d'importantes avancées dans les programmes de vaccination afin de préserver et d'étendre leur protection et de contribuer à réduire également la propagation. Au cours des derniers mois, les approbations réglementaires de Santé Canada et les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation au CCNI ont permis aux provinces et aux territoires d'ajuster leur programme de vaccination ciblé afin de s'assurer que les populations clés puissent obtenir et maintenir une protection contre la COVID-19. L'approbation d'un vaccin pédiatrique contre la COVID-19 était attendue depuis longtemps. Aujourd'hui, la nouvelle formulation pédiatrique à plus faible dose de vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech est autorisée par Santé Canada en tant que le premier vaccin contre la COVID-19 destiné aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Et le CCNI recommande qu'une série complète de 2 doses peut être offerte aux enfants de ce groupe d'âge qui ne présentent pas de contre-indication au vaccin. De plus, selon les nouvelles données concernant la vaccination des adultes, qui suggèrent que les intervalles plus longs entraînent une réponse immunitaire plus forte et plus durable et peuvent réduire le risque de myocardite et de péricardite, le CCNI recommande également un intervalle de 8 semaines ou plus entre la première et la deuxième dose. Comme l'ont indiqué nos collègues de Santé Canada, la nouvelle formulation pédiatrique à plus faible dose est de 10 microgrammes, alors que la dose de 30 microgrammes est destinée aux adultes et aux adolescents âgés de 12 ans et plus. Les données montrent que la dose de 10 microgrammes est très efficace pour prévenir la COVID-19 symptomatique chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, avec une efficacité estimée à 90,7 %. Ce niveau de protection est très similaire
à celui obtenu avec la dose de 30 microgrammes chez les adolescents et les adultes. Compte tenu de l'épidémiologie actuelle et dominante de la COVID-19 au Canada, où les taux d'incidence sont restés les plus élevés chez les enfants âgés de 5 à 11 ans pendant la majeure partie de la quatrième vague, l'annonce faite aujourd'hui sur la disponibilité et l'utilisation de la formulation pédiatrique constitue une bonne option de prévention supplémentaire. À la suite de l'excellente adoption de la dose de 30 microgrammes chez les enfants plus âgés de 12 à 17 ans, on a observé une réduction notable des taux d'infection et des cas associés à des éclosions dans ce groupe d'âge. On peut donc espérer que les nouveaux programmes pédiatriques connaîtront un succès similaire chez les enfants plus jeunes et contribueront à augmenter la couverture globale de la population. À l'heure actuelle, le CCNI recommande que les jeunes enfants reçoivent le vaccin Comirnaty de 10 microgrammes au moins 14 jours avant ou après avoir reçu un autre vaccin. Cette précaution est prise pour aider à déterminer si un effet secondaire qui pourrait survenir après la vaccination est dû au vaccin contre la COVID-19 ou à un autre vaccin. Cependant, il peut y avoir des circonstances où il est nécessaire qu'une dose de vaccin pédiatrique contre la COVID-19 soit administrée en même temps qu'un autre vaccin, auquel cas un professionnel de la santé peut aider à la prise de décision. À ce jour, aucun problème de sécurité sérieux n'a été identifié dans les essais cliniques. À l'avenir, nous surveillerons de près le déploiement du programme pédiatrique au Canada et nous continuerons à examiner les preuves accumulées dans les programmes et études internationaux. Pendant ce temps, il est très important que nous aidons les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux à prendre des décisions éclairées sur la vaccination contre la COVID-19, tout en respectant leur choix et leur rythme de décision. Il est peut-être très approprié que demain soit la Journée nationale de l'enfant et la Journée mondiale de l'enfance, consacrée à la célébration des droits des enfants et des jeunes. Cette année, c'est l'occasion de remercier tout particulièrement les enfants et les jeunes pour les sacrifices qu'ils ont faits pendant la pandémie et de reconnaître leur résilience. UNICEF Canada encourage les Canadiens à relever le défi Go Blue pour dire merci. Joignez-vous à nous pour montrer à nos enfants combien ils sont importants pour façonner leur présent et leur avenir. Les personnes au lieu, nous pouvons tous briller en bleu pour eux, y compris les monuments au Canada comme les chutes Niagara et les tours à Toronto et à Calgary et plus encore dans le monde entier. Merci. Thank you. Migwich. Thank you for listening today, and thank you for supporting us with our sponsors. Please go to depictions.media for more information and click on our contact link and let us know how we can help, how we can help bring your story and help bring us to a better world. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.